petit poulet, petit poulet, petit poulet, on veut te protéger du tout sécurité, petit poulet, on veut te protéger, les fonctionnaires on aime bien, toi on veut te protéger de la précarité, de la loi connerie, la loi KFC. Alors ça c'est par rapport au 49-3, hein, on est toujours touché. Hein, donc, Dans la jungle libérale, jungle, le PS est mort ce soir. Toi ma belle, toi ma gazelle, le PS est mort ce soir. Le PS est mort ce soir. Dis papa, parti socialiste, ça veut dire quoi? Toi ma belle, toi ma gazelle, le PS est mort ce soir. Bon, il faut pas faire la tête, hein. C'est comme en Afrique, quand des grands groupes tombent comme ça, les grands anciens vieillissent très mal, et ben il faut célébrer leur fin en fait. Oh Wimbawe, 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 Wimbawe. Jungle, libéral jungle, le Macron est en rute ce soir. Aouh, toi ma belle, toi ma gazelle, le Macron est en rute ce soir. Bon voilà, parce qu'il faut être solidaire avec les policiers, c'est vraiment très dur, donc un peu de légèreté. Guillaume, sachez que encore aujourd'hui, à l'heure du présent, il y en a encore qui sont sous des enquêtes IGPN. Notre administration dit devant la télé que c'est faux, que c'est suspendu, qu'il n'y en aura pas, aucune sanction pour aucun collègue. C'est faux. Nous avons encore des collègues qu'on appelle sur leur téléphone portable informellement en leur annonçant qu'ils sont convoqués tel jour, telle date, à telle heure, sans prendre en compte les effectifs présents. Donc, ils mettent sciemment des équipages en sous-effectif de manière à entendre un, deux ou trois collègues. Ça, c'est la réalité. Donc, s'il vous plaît, faites un peu de bruit pour l'IGPN. Thank you.
Donc, on a un gouvernement qui dit pas de sanctions administratives pour les collègues. On est encore convoqué par l'IGPN. Il y a encore des DDSP, des DSPAP, des préfets de police qui, lors des réceptions de différents collègues, ne parlent plus de sanctions administratives, mais des sanctions pénales. Dans le sens où, dites manifestations non réglementaires, ils nous font comprendre que des sanctions peuvent tomber s'il y a débordement, s'il y a autre. Que je sache, depuis le début du mouvement, pas un collègue n'a tapé un concitoyen qui n'avait rien fait. Pas un collègue n'a dégradé de véhicule. Pas une terrasse de café ou un concitoyen pris à partie. Donc s'il vous plaît, faites du bruit pour eux encore, s'il vous plaît. Il faut bien que les gens prennent conscience, surtout les médias. Quand il y a eu les manifestations pour la loi travail, quand il y a eu les manifestations pour la loi El Khomri avec les marches debout et tout ce qui s'ensuit, plusieurs de collègues ont été blessés. Plusieurs dégradations de terrasses de café et de commerces prises à partie. Nous, à ce jour, ça fait plus de 10 jours que nous marchons, plus de 10 jours que nous faisons du sport parce qu'on ne peut pas le faire pendant les heures de service. Pas une dégradation. Donc je tiens à dire à ce gouvernement et à l'ensemble de ses représentants, nous resterons mobilisés. Mobilisés ! 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 Donc, petit topo, on nous annonce 250 millions d'euros qui sortiraient d'une poubelle, je ne sais pas d'où. Donc, vous allez voir dans les semaines, dans les jours qui viennent, votre DDSP venir vous voir avec un sous-préfet ou avec peut-être un préfet s'il n'est pas trop fatigué, vous expliquer que les mesures de 250 millions d'euros, c'est une aubaine pour tous les policiers de France. C'est juste une grosse arnaque. C'est juste une grosse arnaque. C'est bien beau de proposer 250 millions d'euros. Vu le nombre de policiers sur l'ensemble du territoire national, ça équivaut même pas à un véhicule neuf pour l'ensemble des commissariats de France. On nous déclare, pareil, 800 millions d'euros factice qui serait pour 2017, donc on a déjà ponctionné 250 millions pour cette année. L'année n'étant pas finie, ça va être compliqué de recruter 4600 collègues pour 2017. Où va-t-on chercher cet argent? Donc, la LD, il a été proposé qu'elle soit
pas révisé, mais concerté avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Il se donne une durée, je crois, de 3 semaines, de manière à pouvoir voir, entre guillemets, sur une collégialité, les modalités pour l'assouplir, voire la faire aller dans d'autres sens. Cette même LD, étant votée au Parlement, doit faire l'aller-retour avec le Sénat, revenir avec le Parlement, qui aujourd'hui peut garantir que la gauche sera encore au pouvoir en 2017. Je parie 1 million sur celui qui peut me donner l'avenir pour le gouvernement actuel en 2017. Donc moi, personnellement, je dis que je suis toujours policier. En colère. 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 On va les sortir. En colère. Mais la française, c'est mieux. Ouais. Vous voyez, les concitoyens, des fois, ils ont des petites vannes, c'est bien. Ouais. Moi non plus, j'ai pas été très longtemps à l'école, mais manque de bonne, je sais lire. Très, très bien, vous avez raison, madame. Donc, je vous demande à tous, les collègues, c'est vrai que c'est fatigant. Il y a des collègues qui sont partis, des collègues qui sont revenus. Là, on est sur une phase avec fin de vacances scolaires, avec la province et ceux qui sont parisiens. En tout cas, merci à chaque fois de répondre présent. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Je suis là pour vous et pour tous les collègues de France. Car il faut bien faire comprendre à ce gouvernement-là, ce que nous demandons, ce n'est pas l'aumône. Moi, je ne demande pas de l'argent pour aller... Non, je demande juste des conditions de travail qui soient adéquates pour l'ensemble de mes collègues. C'est juste... Oui, forcément, ça va avec. Ça va avec. Avec une vraie réponse pénale pour les voyous quand ils sont interpellés, de manière à ce que ces derniers aillent vraiment en prison. En prison, la racaille. En prison, la racaille. En prison, la racaille. En prison, la racaille. Ils l'ont bien, et en plus, ça monte. Donc, chef de district, ça monte après au DESPA, au DSP, ensuite au DESPA. Il faut juste arrêter ça. Parce que si on reversait un minimum des primes qui sont allouées à l'ensemble de ces personnes-là pour mettre du vrai matériel, l'ensemble des collègues ici présents sur le terrain seraient déjà mieux considérés. Donc on arrête de nous prendre pour des numéros, juste à nous demander de ramener du chiffre, de manière à ce que tel commissariat ou tel commissaire soit bien vu de l'ensemble de la masse des commissaires. Parce que bien souvent, nous savons très bien que ceux qui sortent des grandes écoles deviennent commissaires, mais ils ne veulent pas finir commissaire, ils veulent passer divisionnaire. Il veut passer des DSP, l'autre veut passer sous-préfet, après il veut passer préfet et vice-versa, parce qu'après c'est l'ensemble des directions politiques. Donc nous demandons juste que cela s'arrête. Pareil pour nos syndicats, je passerai du coq à l'âne, désolé. Pareil pour nos syndicats, ils sont censés nous représenter. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, les copains, faites du bruit pour les syndicats, s'il vous plaît. Eh oui, c'est le terme qui va très bien avec les syndicats. Ils représentent à peu près 85% de la masse salariale pour l'ensemble des collègues. Ces mêmes syndicats sont censés nous représenter. Donc en fonction des élections professionnelles, ils sont attribués des places selon les commissions où ils peuvent siéger de manière à voir l'avancement des collègues. Voir la mutation des collègues et différents d'autres points assez spécifiques. Ces mêmes syndicats nous ont vendus pour leurs propres intérêts personnels. Exactement. Ouais. Et ça, c'est inadmissible. Ces mêmes syndicats nous ont critiqués au début du mouvement parce qu'ils n'arrivaient pas à le récupérer à leur propre profit. Ça, c'est une honte. Exactement. Vous avez des noms, monsieur ? L'ensemble des syndicats, monsieur, je ne vais pas en citer un pour aller faire de la pub ce soir, je ne suis pas là pour lui faire de la pub. Et ça fera l'ensemble des syndicats nous ont vendus. Car tous ceux qui sont à la tête de ces syndicats, moi je demande juste au patron d'Alliance, celui d'SGP et celui d'UNSA, la dernière fois qu'il a mis la tenue police et qu'il est rentré dans un quartier chaud pour contrôler les mêmes voyous qui balancent des cocktails Molotov sur les collègues de Viry ou sur le collègue de Paris quand il y a eu des manifestations avec la loi El Khomri, quand il a mis sa vraie tenue de policier pour aller contrôler des voyous et se faire insulter de sales bâtards. Quand ? Jamais ! Jamais ! Jamais ! Nous avons des mecs qui sont syndiqués, donc tête de syndicat depuis des années, qui n'ont jamais vu la réalité du terrain,
et qui aujourd'hui vont négocier pour nous avec le président. Trouvez-vous ça normal? Non! Hitler, votre mécontentement, s'il vous plaît. Hitler, dégagez! Allez, un bon bruit pour les syndicats! Moi, personnellement, comme je dis, à titre personnel, ça n'engage que moi. 2017, ça va être une année difficile pour les syndicats. Parce que vous prenez 85% de la masse. Le ticket... Vous prenez 85% de la masse sur l'ensemble des syndicats. Le ticket moyen, parce que nous sommes tous obligés de nous syndiquer, parce que nous voulons tous rentrer chez nous pour certains qui habitent en province, ou d'autres pour avoir le grade. C'est ce qui est lamentable, parce qu'on passe des examens, et avant d'obtenir l'examen, il faut attendre des fois 5 à 6 ans, voire même plus, pour avoir ce même examen alors qu'on l'a passé. Mais ils ne savent pas compter, ça. Non, ils ne savent pas compter, madame, désolé. Donc, quand je vois l'évolution et la carrière qui est possible sans être syndiqué, c'est compliqué pour les collègues. Donc moi, à titre personnellement, je suis syndiqué. Mais en 2017, mon mandat syndical, voici ce que j'en fais, les gars. Ouais. Ça va être des temps ici, mes amis. 2017, mon mandat syndical, il est là. Donc, 2017, pas de mandat pour moi. Donc, si tout le monde le fait, comme je dis, je le fais à titre personnel. J'ai calculé. Le mandat moyen est à 70 euros. Un mec qui représente 40% de la masse, vous le multipliez, ça vous fait minimum 3 millions d'euros en prélèvement que sur les collègues syndiqués. Ces mêmes syndicats ont des subventions de l'État. Bien sûr. Je demande juste, entre les 3 millions annuels qui sont prélevés, ainsi que les subventions qui sont données à l'ensemble de ces syndicats, que font-ils avec cet argent? Ils finissent au Conseil constitutionnel après. Que font-ils avec cet argent? Parce que j'ai été blessé plus d'une fois sur voie publique, à part voir mon délégué districal, qui est super génial, me dire « tu vas bien », le reste, jamais vu. J'ai jamais vu le chef de liste d'Alliance, ni de SGP, ni d'une sa police. J'ai dû tirer sur voie publique, parce qu'un véhicule a foncé sciemment sur moi, sur d'autres collègues et sur d'autres personnes. Donc j'ai dû utiliser mon arme. Donc mise à pied, j'ai vu aucun syndicat venir me voir. Et je pense que l'ensemble des collègues ici présents, c'est la même chose. Donc quand nous sommes blessés, quand nous sommes vraiment atteints dans notre chair, les syndicats ne prennent même pas la décence de venir nous voir. Ils auraient pris la décence de faire au moins une intersyndicale pour Viry-Châtillon. Je ne dis pas que ça aurait calmé la grogne, mais la grogne aurait été peut-être contenue. Aujourd'hui, on entend un syndicat qui demande la grève du zèle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut arrêter de travailler? Est-ce qu'il faut continuer de travailler mais sortir que sur appel? Un autre syndicat qui demande de faire des contrôles routiers pour, entre guillemets, interloquer ou interpeller plutôt le lambda. Moi, voilà, je ne suis pas là que pour ça. Donc, il faut juste arrêter. Les syndicats, pour moi, personnellement, ils ne nous représentent plus. Et ils ont fait que de la merde jusqu'à présent. Donc, moi, juste pour cela, pas de mandat en 2017. Je vous invite à faire ce que vous voulez, mes amis. Et comme je disais, il faut mettre un train. La pause, j'ai plus de voix, là. Plusieurs centaines à marcher tranquillement dans la rue en direction de Saint-Michel. Et la mobilisation est restée tellement intacte et forte comme il était prévu.
concernant les différentes sanctions prévues par l'IGPN et les différentes enquêtes qu'avez-vous à dire? Là, l'un des nôtres est convoqué jeudi. On attend de savoir exactement quelle va être la teneur de cet entretien, parce qu'il a été, malgré que ce soit une convocation, on ne sait pas la nature même et ce qui va être discuté en présence de nos collègues de l'IGPN. Si une sanction devait être prise, car elle le sera au niveau pénal, au niveau de l'IGPN, ça renforcera encore plus le soutien des citoyens, ça renforcera encore plus le soutien des policiers, et le mouvement s'amplifiera. Je te remercie. Nous demandons simplement à être reçus et entendus. Donc, pour le gouvernement, l'IGPN, etc., tous ceux qui nous reprochent ce manquement à la déontologie, qui veulent nous sanctionner pour ça, qui va les sanctionner eux pour leur manquement à la déontologie? Car dans le code de déontologie, ils sont tous cités dedans. Ils doivent respecter la déontologie également. Le gouvernement également. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est la fin des manifestations se fera à partir du moment où nous serons entendus, nous, petits policiers qui sommes dans la rue, et non les syndicats. Nous réclamons des conditions de travail correctes. Tant que ces conditions ne seront pas
correct, nous continuerons le mouvement, nous continuerons à revendiquer nos droits, nous continuerons à nous mobiliser. Nous cherchons simplement à nous faire entendre et que les choses changent. Bravo ! Et bien sûr, n'oublions pas une pensée pour eux, ce, on va dire, l'événement dramatique qui est à l'origine de tout ça, pour Vincent et Jenny, ainsi que les autres collègues. On ne les oublie pas, on demande à ce qu'il y ait une réponse du gouvernement, à ce qu'il y ait, on va dire, des avantages qui sont légitimes à mes yeux pour eux, à savoir que Vincent, qui va être handicapé à vie, et passe gardien de la paix sans faire de concours, sans faire d'école, et il est un poste aménagé. On pense aussi à tous ces événements dramatiques qui ont eu lieu ces derniers temps, tous ces collègues qui sont décédés sans aucune réponse derrière. L'État qui nous a promis de débloquer des fonds l'avait déjà promis. Donc c'est juste de la poussière qui nous envoie à nos yeux, de la poudre, pardon, pour moi, je suis fatigué, de la poudre qui nous envoie, mais ça, il l'avait déjà débloqué, ça met juste un peu plus de temps. Nous, ce qu'on demande, c'est des vraies réponses. On veut aussi qu'il y ait donc les réponses pénales, c'est le plus important, parce que tous les collègues qui sont morts, qui ne soient pas morts, en vain. Euros en rêve, ce n'est pas suffisant. Manque d'effectifs, manque de moyens, protection pour nos collègues et encore plus. Non, 250 millions, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas de l'argent que nous réclamons principalement. Du respect. Respect, oui, respect prioritairement. Notre dignité, nous sommes policiers, nous rendons les concitoyens. Pas des enfants. Voilà, certains se font blesser, d'autres qui perdent la vie. Non, ce n'est pas acceptable. Nous demandons simplement. Et on passe au gendarme qui s'est suicidé, le pauvre. Voilà, police, gendarmerie, nos collègues gendarmes également. Ce n'est pas acceptable. Ces conditions de travail sont inacceptables. On nous a oubliés depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, il va falloir nous faire entendre. Et il va falloir que les choses changent. Et les choses changeront. Et grâce à vous, et grâce à nous, mais surtout grâce à vous principalement. Tous ces collègues qui se sont suicidés, alors l'État, on va dire, se dédouane, dit que c'était dû à des problèmes personnels. Mais avec le métier qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas obligatoirement interaction entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle ? Voilà. Et puis cette pression hiérarchique également, cette pression du chiffre, cette politique du chiffre qui officiellement n'existe pas. Et moi, aujourd'hui, j'en parle, cette politique du chiffre qui nous demande d'en faire toujours plus, mais avec moins de matériel et moins d'effectifs. Et les chiffres de la police. À nos collègues qui subissent des pressions, à nos collègues qui sont convoqués, à nos collègues à qui on met des mises en garde par rapport à ces rassemblements, nous continuerons. Plus il y aura de pression, plus nous continuerons à nous mobiliser. Et c'est nous qui mettrons la pression. Maintenant, pour ma part et pour la plupart, j'ai un message à faire passer à l'IGPN qui regarde ce soir sûrement, ou qui va regarder demain. Coucou l'IGPN. Coucou l'IGPN. Non, non, pas coucou. Moi, j'ai juste le message à leur faire passer. Toutes vos sanctions, on s'en fout complètement. On n'en a pas peur. On préfère largement se faire sanctionner plutôt que de terminer entre six planches. Policiers, citoyens, restons mobilisés, soudés. C'est grâce à ces mouvements que les choses changeront. Il faut nous soutenir et à travers nous, nous pourrons vous soutenir dans nos missions et dans la réalité de nos missions quotidiennement. Merci. Nous ne lâcherons rien. On continuera, on ne lâchera rien. Juste un dernier truc, parce que c'est vrai qu'on le survole, mais le collègue l'a dit tout à l'heure, on a les gendarmes derrière nous qui malheureusement, eux, ont statut qui ne leur permet pas d'être avec nous. Donc, on pense à eux également. Les gendarmes aussi sont sous pression, sont comme nous, sur la politique du chiffre également.
Il y a des suicides parmi eux, mais eux, vu qu'ils ont le statut militaire, ils ne peuvent absolument rien dire. Donc on pense quand même à eux. Respect à nos collègues gendarmes. Allez!